Donc là nous sommes au Centre culturel français d'Alger, situé au 7 de la rue Hassani Issa. Nous avons droit aujourd'hui à une visite guidée. Mais avant cela, un petit mot sur le Centre culturel. C'est le Centre culturel français qui dispose d'une médiathèque, d'un centre d'examen, d'un centre de ressources, d'un bureau d'information universitaire, scientifique et technique, d'un bureau du DU. Donc là, nous sommes dans la cour du CCF, en face du jet d'eau, et nous attendons que les hôtesses viennent nous faire visiter la médiathèque. Donc, beaucoup d'animation et dans ce centre culturel, des expositions. C'est un lieu de rencontre avec l'art, la littérature, la science, et dans le cadre de sa coopération avec l'Algérie, le bureau du livre qui est situé au sein du Centre culturel français apporte son aide pour le don de livres dans les bibliothèques, les universités, les écoles, les associations, les entreprises. Les élèves de l'école primaire Hassid Abdelali de Soudan vont avoir droit à la visite guidée de la médiathèque, dont nous avons quelques éléments d'information. Donc c'est une médiathèque qui dispose de 50 000 livres en libre accès, de 367 titres de revues et périodiques, de plus de 550 films documentaires, de 100 CD-ROM et de collections encyclopédiques classées par discipline. Ceci en plus des postes informatiques et des espaces pour la recherche bibliographique et documentaire.
Donc là, nous sommes à l'intérieur de la médiathèque. Nous sommes scindés en deux groupes. Et de charmantes hôtesses se chargent d'expliquer aux élèves comment fonctionne la médiathèque et de quoi elle se compose, comment on peut y accéder, quel est le public qui fréquente ce lieu. Et donc beaucoup d'informations très utiles, très enrichissantes, qui ont beaucoup intéressé les élèves, même si leur niveau ne leur permet pas de comprendre quelquefois les explications qui sont données. Mais toujours est-il que ça a été une visite assez instructive. Je baille de mon dieu professeur, je baille du samir, ou le futur, je dors.
La visite de la médiathèque est terminée. Maintenant, nous avons droit à une collation servie avec beaucoup de gentillesse par les deux hôtels et les deux hôtesses, pardon, et du centre culturel. Nous sommes donc en face de l'entrée de la salle de conférence. Une salle conçue pour cela, et par la suite les élèves auront droit aussi à une distribution de revues scientifiques offertes gracieusement par le Centre culturel français. Donc voilà, et c'est l'occasion pour nous de remercier toutes les personnes qui ont fait que cette visite ait lieu, et donc nous tenons à leur exprimer notre gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la gentillesse et la disponibilité dont ont fait preuve nos charmantes guides. Une fois sorti du centre culturel français, nous devions aller visiter le palais des Raïs. Malheureusement, il était déjà fermé. Bon, nous avons quand même pu glaner quelques informations sur le site. Construit au XVIe siècle, durant la période ottomane en Algérie, il s'agit d'un ensemble de palais numérotés. Et pendant la période ottomane, il servait de point de départ et d'arrivée aux Raïs de la marine algérienne lors de leur mission en mer. Par la suite, nous avons pris la défense de la... Par exemple, pardon. Nous avons pris la direction de Cité Fraîche. Et là, nous sommes juste en face de l'endroit où les Français ont débarqué en 1830. C'est un endroit qui se situe derrière l'hôtel El Manar. Et donc, il paraît que c'est par là aussi que les Français sont rentrés chez eux. De manière symbolique à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, lors de cette visite, nous aurons le plaisir de rencontrer M. Tessa Ahmed,
aussi diriger une revue qui s'appelait à l'époque L'école et la vie. Une revue consacrée à l'éducation, à tous les problèmes qui tournent autour de l'éducation et qui malheureusement a disparu. C'est vraiment dommage. Actuellement, M. Tessa anime une émission à la chaîne 3, une émission hebdomadaire intitulée La vie scolaire, et qui passe tous les dimanches à 10h30. Alors, hier jeudi, nous avons donc visité le Centre culturel français. Nous sommes passés à proximité du Palais des Raïs. Nous avons visité Sidi Frèche. Aujourd'hui, donc, nous sommes vendredi et nous nous trouvons au port de pêche de Bouharoun, situé à 50 km d'Alger, à 25 km de Tipaza. Et donc, pour des élèves qui viennent d'une région agro-pastorale et qui ne connaissent pas le monde de la pêche, cette visite s'imposait d'elle-même. Alors, le port de Bouharoun, c'est l'un des plus importants ports de pêche de la côte ouest, un grand pourvoyeur en ressources halieutiques du littoral, où toutes les familles de poissons sont exposées à la vente, comme vous l'avez si bien vu, en ce vendredi matin. Donc là, les élèves ont eu l'occasion de se faire présenter toutes les familles de poissons qui sont exposées à la vente. Maintenant qu'ils en profitent pour un photo souvenir. Et ils auront même la possibilité de monter sur un chalutier pour visiter ces différents espaces. Signaler que Bouharoun est le siège de l'Ecorep, qui est une entreprise de construction et de réparation de chalutiers. Voilà donc une vue d'ensemble sur tous les chalutiers qui transitent par Bouharoun. Et là, ça va être la visite de l'Indo. Il y a aussi au fond les baraques que vous voyez au fond à droite. Ce sont des baraques qui exposent de la glace.
aussi une petite entreprise privée qui s'occupe de la fabrication de bateaux de pêche. Donc, visite très enrichissante, surtout pour ceux qui ignorent tout de ce que représente de l'économie nationale ce port de pêche de Vaharan. Thank you.
Voilà, donc après la visite du fort de Beharen, nous remontons dans notre minibus, dans une ambiance bonne encore, et nous prenons la nationale qui relie Alger-Tipaza. Nous traversons le village de Entebbouré, ex-Berar, et donc nous longeons la nationale. Notre prochaine visite sera consacrée au tombeau d'un chrétien, appelé aussi différemment selon les époques. Nous allons prendre. Donc nous avons à droite du mont Cholois, qui est majestueux, qui domine la baie de Tipaza. Et nous laissons donc le mont Cholois sur notre gauche, sur notre droite, pardon, et nous prenons une route sinueuse qui court au pied des collines du Sahara occidental d'Alger, toute couverte d'un manteau de vignes, de primeurs et de maquis, vers le sommet. Et pendant tout le trajet, le rivage est dominé de près par cette longue croupe montagneuse qui sépare la mer au nord de la plaine de la Mitidja au sud, avec une vue imprenable sur le mont Cholois. Donc, c'est un endroit touristique d'une rare beauté où se rencontrent plusieurs éléments, la mer, la montagne, la forêt, une région touristique qui ressemble à un site d'une beauté imprenable. Pour cette beauté, on a abondamment parlé de ses écrits, notamment Nos Antipasa. Je dépense. À mesure que je vis, je dévis. À mesure que je meurs, je demeure. Un proverbe qui va à la chasse perd ta place. Très bien. Thank you.
À la haute pointe culminant du Sahel, à 261 mètres au-dessus du niveau de la mer, se dresse un colossal monument. C'est le mausolée royal de Mauritanie, nouvelle appellation appliquée au tombeau dit de la chrétienne, autrement appelé aussi tombeau de Cléopâtre Sélénée, épouse de Juba II et fille de la célèbre Cléopâtre, reine d'Égypte. Traditionnellement, on appelle aussi Bergonia. D'après les informations en notre possession, elle est visible aussi de hauteur de Bouzalera, qui domine Alger, visible surtout de la mer, où marins et pêcheurs l'utilisent comme point de repère. Quelques mots sur ce site historique, sur ce monument. Alors, le tombeau a été peut-être considéré comme un monument chrétien à cause du motif décoratif que l'on a vu tout à l'heure, en forme de croix. D'après les spécialistes, il n'en est rien. On a également pensé que ce dernier motif, mal interprété, avait été à l'origine du nom légendaire de tombeau de la chrétienne. Mais d'après toujours les anthropologues, il n'y a rien dans ce tombeau qui rappelle l'époque chrétienne. Mais si la tradition veut que ce nom soit Remia, l'explication se trouve probablement dans l'histoire du mot arabe Remia. Rome voulait dire romain ou byzantin chez les arabes. Et d'autre part, dans le motif de la croix. Alors, M. Rahal Abou Bakr a donné l'indication suivante à ce sujet. En littérature arabe, je le cite, le mot Romia avait deux acceptions, selon qu'il était employé en Orient ou en Andalousie. Dans le premier cas, il signifiait byzantin, et dans le ou grec, et dans le deuxième, chrétien. Alors, ce qui a été dit au sujet de ce tombeau, de tout temps, les hommes ont été curieux de savoir quelle était la véritable destination de ce monument. Renfermait-il des richesses qui ont été pillées depuis longtemps, ou bien gardait-il encore jalousement construit ? Voilà, secret bien gardé. Le mausolée royal de Mauritanie, que les gens de la région ont connu. Le temps épuisé sa vocation historique de Jérusalem. Un lieu hanté de fantômes, riche de monde, et d'une silhouette trapue sous la lune berbère, il retentit de souffle romantique. Par les nuits d'hiver, la galerie frémit et chuchote, les pierres vibrent, les lumières chancèlent. Quel décor pour une intrigue de Walter Scott! Quel thème pour des anticipations à l'Ouest ou des préhistoires à la Rosnie. Assurément, le tombeau de la chrétienne nous réserve encore de passionnants coups de terre. Et là, ça me fait penser justement que dans notre région aussi, nous avons des monuments funéraires qui ressemblent. Là, vous voyez les inscriptions sur les dalles, sur les murs de personnes qui viennent uniquement pour inscrire des noms, des sigles, sans aucun respect pour l'histoire, pour ce que peut représenter justement ce site dans l'histoire de la région. C'est vraiment dommage. Donc, une parenthèse pour signaler que l'usage de construire des tombes de ce genre s'est poursuivi à travers toute l'Antiquité, et c'est au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ que furent édifiés dans la région de Frenda, que nous connaissons bien, le Djedar, monument construit sur plan carré avec un couronnement pyramidal. Les plus grands d'entre eux renferment des couloirs et des chambres intérieures communiquant entre elles. Au nombre d'une dizaine, ces édifices couronnent des sommets de collines et ils sont attribués à des princes berbères, peut-être de religion chrétienne, dont les principautés s'étendaient vers l'ouest. Donc, la construction de ce type de sépulture
est considéré comme étant de tradition purement nord-africaine. Donc voilà pour l'histoire. Après donc nous être abreuvés d'images aussi belles les unes que les autres, après avoir pris des photos, donc là c'est un regret que nous allons redescendre vers la plaine de la Mitidja que vous voyez au fond, afin de prendre en direction de la faune. Là, juste pour signaler que avant les années sombres qu'a connu l'Algérie, c'était un endroit très fréquenté par les familles, surtout le week-end. Donc les familles venaient pour pique-niquer dans les abords de ce site paradisiaque. Maintenant, il semblerait que ça redevienne un petit peu une zone de prédilection pour les amoureux de la nature. Espérons que ça durera. Signalons aussi que, hormis la personne préposé à la caisse, aucun renseignement, aucune information n'est donnée aux visiteurs sur l'historique de ce tombeau. Et c'est vraiment... Je suis vraiment un peu...
À la flèche, je pense. À la flèche, c'est une version. Voilà, donc après la visite du tombeau d'un chrétien, nous avons pris la direction de la plaine, de la Métidja. Et là, nous nous trouvons à la sortie de la ville de la Frome, dans un restaurant typique, dont la spécialité principale est la caille grillée. Donc là, le temps de nous sustenter. Et puis nous prendrons la direction de Sugar via Tiaret. Donc avant de terminer, je voudrais remercier d'abord celui qui a réalisé ce film, M. Saadawi Boualem de Millekou, M. Brahim Fatmi, directeur d'école à Millekou, qui a bien voulu nous accompagner, M. Benous Baharabah, M. Boussajra et Mademoiselle Bilkisaria, qui se sont dévoués pour que cette visite soit des plus réussies pour les enfants, parce que finalement c'est pour eux que nous nous sommes déplacés, afin qu'ils puissent découvrir leur pays et avoir une idée de ce qui se passe un petit peu dans le centre du pays. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine visite.
Thank you.
طيح هاي